Bonjour les auditeurs de Clément Chris et les fans de Isley. Bonsoir Isley. Bonsoir Clément. Comment vas-tu? Très bien. Très bien, ça va? Très bien. T'es prête avant le concert? Ah oui, je suis prête. D'accord. Donc samedi 18 septembre, oui. On arrive à la période estivale à la fin. Donc bienvenue dans l'interview estivale. Merci. Donc, c'est ton actualité du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Oh là là, j'ai surtout eu beaucoup de... Alors, attends. Alors, quelle était ton actualité du 21 juin au 21 juillet? Du 21 juin au 21 juillet, je pense que c'était surtout beaucoup d'interviews. Télé, radio-télé, parce qu'avec le confinement ou le couvre-feu, on n'a pas pu avoir de soirée. Et même les interviews, quelles sont les deux interviews qui t'ont marqué? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des télés telles que... tels que Télésud, H Live, sinon radio, pour les radios, il y a eu Radio Télé Franco Musique. Ouais. Nos confrères. Il y a eu des radios en Guadeloupe, RHT, OPFM en France. Ah ouais, OPFM, Cisco. Exact. Ah ouais, salut Cisco. En Guyane, Radio Puzzle. Il y en a trop. Ouais. Pour tous les retenir. Grosso modo, pour la période estivale qui s'achève, tu as fait pas mal de radio, tu as été sollicité ou... J'ai été sollicité. Ouais. Le manager a aussi beaucoup travaillé. Donc, d'accord. Bien entendu, il a fait son travail. Mmh. Mais il est là. J'ai été beaucoup sollicité, effectivement. D'accord. Et quels sont les deux concerts, les deux lives ou les deux événements de cet été que tu as suivi? Alors, que j'ai suivi. Ouais. Ou les nouveaux artistes? Surtout des groupes aux États-Unis, parce que bon, nous on n'a pas eu cette chance, mais aux États-Unis ça a continué, ou bien en Haïti. J'ai suivi un concert d'une artiste en vogue maintenant, là, Virgin et Cadillac. D'accord. Ruchel. Ruchel est pas bonne. Vraiment... Est pas mal. Oui, voilà. Donc vraiment, j'ai beaucoup suivi les gens de chez moi. D'accord. Les artistes de chez moi. Et pourquoi Ruchel? Pourquoi Rachel? C'est une très bonne artiste, elle est très en vogue. Ça fait longtemps que la musique haïtienne avait besoin de ça, d'une nouvelle voix, d'une nouvelle personne. Donc ça fait quand même quelques années qu'elle est là. Bah, écoute, c'est super. C'est le travail qu'elle fait, elle est au niveau international. Bah, bien entendu, c'est tout à fait normal que, voilà, nous on est artistes aussi, mais on est aussi fanatiques. Hein, donc tout à fait. On aime. Tu es de quelle origine? Je suis haïtienne. Haïtienne, oui. Voilà, et une grosse pensée pour Haïti, hein, on connaît les événements. Oui. Récemment, justement, ça va, ta ville, ta commune n'a pas trop été touchée? Ah ben si, justement, ouais. Je suis de Saint-Louis-du-Sud, une des villes qui a été très touchée. Mais ça va, de mon côté, la famille, tout le monde va bien. Bon, c'est principal. C'est plus côté matériel, quoi. C'est plus les maisons qui sont touchées. On a deux maisons, voilà. Mm-hmm. Mais bon. Parle-nous du concert de ce soir. Alors, le concert de ce soir se passe à Gentilly, à la mine Gentilly. D'accord. Avec Jamen, un groupe qui m'accompagne assez souvent, composé de mono et de jazz. Et moi, je suis là, je suis invitée, donc pour deux titres. Deux titres, voilà. Et bien entendu, ils vont mettre en place un prochain concert très bientôt, pour que les gens puissent avoir plus de chansons de Isley. Donc, ce sera un live un peu plus intense. D'accord. Tu aimes bien le live? J'adore le live. Moi, et pourquoi tu aimes le live? Pourquoi? Parce que il y a l'échange, les gens peuvent chanter un peu plus, on peut rallonger les morceaux, tu sais, parce qu'avant le compas c'était très long. Mmh. Et maintenant pour une question commerciale, on doit faire plus court, mais en live on peut se permettre de rallonger, de faire ce qu'on veut, de faire chanter les gens, tout de monter, danser avec nous. Il y a un échange, il y a de la chaleur. Moi c'est le live. Tout à fait. Mmh. Et est-ce que musique? Été et musique sont compatibles. Est-ce que été et art. Art et été sont-ils compatibles? Si oui, pourquoi? Alors, est-ce que mes musiques... Non, est-ce que l'art l'été, l'art en général, oui, et l'été en dehors, sont-ils compatibles? L'art et l'été... Oui. Je viens juste un indice, t'es en plein dedans là, bien sûr.
Bien sûr. Donc, les gens ont moins froid. Ils ont envie de sortir. Donc on peut faire de la musique, on peut faire un concert là ce soir. Bien sûr. Évidemment. D'accord. Donc c'est compatible alors. C'est compatible, complètement compatible. D'accord. Alors un petit mot pour suivre Isley sur les réseaux sociaux. Alors on peut me retrouver sur Facebook Isley BLG ou la fan Isley, la page fan Isley, sur le YouTube Isley Music. Officiel. D'accord. Je suis aussi sur Instagram. Mmh. On tape ici, on va me trouver, forcément. D'accord. Je suis partout. Ok. Et qu'est-ce que je vais lui dire encore? Les remerciements à toi. Et le mot de la fin, de Z. Mon tout dernier single est sorti depuis le mois de mars. Je travaille sur un prochain, mais entre-temps, il y a les spectacles qui arrivent. Donc là, comme tout à l'heure, J'étais du côté de Sarcelles Playback pour une association. Pour une aide pour Haïti, donc pour pouvoir récolter des fonds pour pouvoir aider pour ce qui s'est passé, le tremblement de terre. Et dès que j'ai fini, je suis venue ici pour le live parce que ça s'est bien passé à Sarcelles. Très bien, très bien. Très, très bien. D'accord. Mm-hmm. À part que tu m'as envoyé un message, il y avait trop de bouchons. Oui, alors on est parti depuis 14h pour y arriver, depuis midi. Midi. C'est pas évident. D'accord, on arrive sur la fin. Je veux juste un petit a cappella. Peut-être la chanson de ce soir, je te fais deux. Mes amis, moi, gon ménage, font moins parler de ça. L'aime tes poignes, ma voix, elle va camper sous moi. Mais pour charmer tes gueules, les fais-moi les autrement. C'est pour ça moi j'ai décidé de faire quelques petits changements. Et puis je te fais la toute nouvelle, parce que je la chante. Qui t'es moi quand t'es. À vrai dire, chérie, c'est où t'as pas le fait. Pendant une cave et mon flacon en chambre, t'es là. Pourtant, le don sur sa si chambre préférée, ou toujours là. La fiancée, mon voisin, non. Nous tous deux besoin la vérité. Nous devons sa chambre, non, pour nous, si c'est réalité. Okay. Un petit mot sur le clip, qui est très beau, hein, et très doux. Merci, Un petit mot, sur le clip. Alors, sur le clip qui se passe en deux parties, on l'a fait pendant le confinement, c'était très compliqué, mais on a trouvé quand même des solutions. Donc, on a fait une partie du côté de Nanterre, une autre partie du côté de Versailles. Okay. Donc, avec de super acteurs, hein, très beaux. Mmh. C'est vrai que c'est la première fois qu'ils jouaient et franchement. Ils ont assuré. Ouais, ils ont assuré. Un petit mot sur ton manager aussi qui t'épaule. Hein. Michel Sima qui est très souvent derrière moi, surtout pour pouvoir. Il n'est pas là. Surtout pour reprendre la scène, c'était pas évident parce que j'étais très malade. Mmh. Et il a réussi à me convaincre, écoute, ça fait quand même un moment, c'est bon, on ne peut pas trop attendre. Il est temps que tu sautes le pas, vas-y. Donc j'étais là, j'ai pas eu le choix. Mmh. Il m'a en une semaine, je devais être sur scène, donc je l'ai fait et depuis il est toujours là. Il appelle partout, il prend tous les contacts. Et bien entendu, il y a Michel et il y a aussi une autre équipe derrière. D'accord. Voilà. Je te remercie pour cette petite interview estivale. Et prochainement, je te recevrai à Paris pour ton interview Artiste La Femme. Ok. Très bien. Merci, c'était Isley en direct de Gentilly, la mine Gentilly. Voilà, merci à tous. Merci. Ciao, bye.